ses sols, une équipe divisée. Voici la liste des Bladers pour notre prochain combat dans la Ligue européenne contre BK Nord. Il fait partie de la meilleure équipe, Stan Hamburg. Enfin. Dans l'équipe classée deuxième, nous avons choisi Valtaoy. Oh ouais, j'ai réussi. Ensuite, Rantaro Kiyama. Attention tout le monde, ça va être énorme. Et le dernier, mais pas des moindres, Silas Carlyle. C'est pas possible, c'est une plaisanterie. Hé hey Stan, toutes mes félicitations. Tu es trois fois plus menacé. Vous quatre allez suivre un entraînement spécifique assez intense. Je vous ai fait un planning. Attends une seconde, Trad. Hein? Étant donné que nous n'avons plus Free avec nous, il faut qu'on se donne encore plus à fond. Je veux voir des améliorations considérables. Voilà pourquoi j'ai décidé de promouvoir deux Bladers de la deuxième équipe à l'équipe supérieure. Tu as fait ça? J'y réfléchis depuis un certain temps déjà. Alors, quel est le verdict? C'est qui? Valtaoy et Rantaro Kiyama. Cette décision entre en vigueur immédiatement. Ils passent dans l'équipe supérieure. Oh! Moi? Pour de vrai? On l'a fait, mec! On est enfin arrivés au sommet! Ouais! J'étais sûre que ce serait eux. Hé! Je parie que c'est à cause des classements. Merci beaucoup! Je promets de faire de mon mieux et ne jamais vous laisser tomber! Pareil! On va tous s'entraîner à fond et on va vous prouver qu'on n'a pas besoin de Free pour gagner! Est-ce que vos résultats seront à la hauteur de vos promesses? Honnêtement, ça m'étonnerait. Bienvenue en Amérique. Nous sommes très heureux de votre décision. En tant que propriétaire des Raging Bulls, j'ai de très grands espoirs en vos performances. N'hésitez pas à me poser des questions. J'en ai une. Vous pouvez me montrer où je peux m'entraîner? Nous avons mis en place un établissement dernier cri. Dans l'objectif de garder nos Bladers en pleine forme physique et mentale, nous disposons du meilleur équipement et du meilleur personnel pour répondre à tous leurs besoins. Oh. Free de la Hoya, qu'est-ce qui t'a fait quitter ton ancienne équipe? Tu avais Valtaoy dans ton équipe, n'est-ce pas? Et alors? Pourquoi les abandonner comme ça? Ah, pense que tu veux, ça m'est égal. Un chaos explosif! Voilà, c'est réglé! Les Bécanors suédois gagnent le troisième combat! Je n'invente rien en disant qu'ils dominent ce match contre la légendaire équipe de BC Sol. Je crains que ce ne soit pas une surprise que la perte de leur plus fort Bladeur, Free de la Hoya, ait un effet immédiat. Oh oui! Pendant ce temps, leurs adversaires font preuve d'un excellent travail d'équipe. C'est clairement eux qu'il va falloir avoir à l'œil. Là, on a touché le fond. Je ne veux pas te manquer de respect, mais pourquoi tu as fait les sélections sans me consulter au préalable? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez bien me donner des explications? Le problème vient de ces débutants, ça saute aux yeux. Ils n'ont rien apporté à l'équipe, rien du tout. C'est à Free que nous devons toutes nos victoires précédentes, pas à eux. C'est ce que tu penses? Attends, t'essaies de me dire qu'on est capable de rien sans Free à nos côtés, c'est ça? T'as tout compris. Réfléchis un peu. La victoire contre les Sunbat United, c'était grâce à ses conseils. C'est pour ça que tu as gagné. Ouais, ça a aidé, c'est sûr. C'était la seule raison. Ton argument serait beaucoup plus convaincant si t'avais pas fait exprès de perdre. Mettre ces deux clowns dans l'équipe supérieure était une énorme erreur, patron. J'aurais choisi Ivan Eriksson à leur place, sans l'ombre d'un doute. Laisse tomber, Stan. Je ne pense pas que l'on puisse reprocher à Chris d'avoir été attiré par leurs classements mondiaux. C'est forcément faux. Il doit y avoir une erreur dans les chiffres, c'est sûr. Ne me dis pas que tu n'as rien vu aujourd'hui. Allez, arrête ton numéro, Stan. Garde plutôt ça pour la boîte à idées. Sérieusement, si c'est lui notre meilleur Blader, on n'a aucune chance dans la Ligue européenne. Ça suffit. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre ça comme une leçon et continuer à avancer. Les prochains adversaires qu'on va devoir affronter sont les BC Galeon du Portugal. Super, pile ce qu'il nous fallait. Ces mecs vont se ramasser exactement comme nous. Tous les voyages commencent par un seul pas, pas vrai? Ouais, je suppose. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? T'es toujours prêt à faire ton retour, j'espère? Il était temps! Vous voulez dire que vous n'abandonnez pas? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait jeter l'éponge et au revoir? Soutenez-moi! Vous ne pouvez pas mettre ces gars-là dans la sélection de départ! Nous n'avons pas encore décidé d'une stratégie. Où est-ce que tu vas comme ça? La réunion n'est pas encore terminée. Vous pouvez continuer sans moi. C'est quoi son problème?
Honnêtement, je pensais que les changements auraient motivé tout le monde. Mais j'aurais dû me douter que ça se passerait comme ça. Ces changements ont eu l'effet inverse. J'ai bien peur que tu aies raison. C'est choquant de voir à quel point le transfert de Free nous a affectés. Et tu sembles être la plus affectée de tous. Est-ce que tu vas bien? Stan en fait tout un drame! Il agit comme si on n'était pas aussi frustrés que lui! Ce n'est amusant pour personne, même pas pour vos fans! Nos fans? C'est justement de ça que je parle! T'as entendu, Walt? On va avoir nos propres supporters maintenant! Il est passé où? Je vais gagner le prochain combat! Sinon, je serai rien d'autre qu'un clown pour Free! Est-ce que c'est lui? T'arrives pas à dormir? Silas? L'équipe commence à battre de l'aile, tu trouves pas? Je sais pas, ça me paraît un peu fort comme expression. Il suffit qu'un seul mec s'en aille et c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Ça n'aide pas beaucoup que quelqu'un nous laisse tomber comme ça. Attends, de qui tu parles là? Devine, Einstein. T'es en train de dire que tout ça c'est ma faute? J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que j'en ai assez. Tout le monde a ses limites. Oh? On est concurrents, tu piges? Tu peux plus me retenir maintenant. Oh, viens, on va discuter. On peut trouver une solution ensemble. Hé, attends! Ensemble, c'est fini ce temps-là. Silas est parti aussi? T'en es sûr et certain? Il est pas simplement parti se promener? Je ne pense pas, non. Il part toujours à droite, à gauche. C'est quoi tous ces visages sombres par ici? Chaque fois que quelqu'un part, vos chances d'être sélectionné augmentent. C'est une façon parmi d'autres de voir les choses. Ça pourrait être l'opportunité que tu attendais, tu ne crois pas? Je ne sais pas. Je le sens pas. Il faut qu'on voit plus grand maintenant, plus grand que la grosse tête de Silas. Message reçu. Allez, on se dépêche de finir de bouffer pour aller s'entraîner à fond. Ça suffit. Tant que je serai là, je ne laisserai personne engloutir son assiette. Prends ton temps et mâche correctement, Valk, sinon tu n'auras pas assez de force pour gagner. Bien vu. Mode mâcher activé. Tu sais que t'es pas beau à voir comme ça. Attends, regarde-moi, je peux faire pire. Ça suffit maintenant. Alors, personne n'a entendu ce que je viens de dire ou quoi? Ok, tout le monde. Avant de commencer, nous allons mettre les choses au clair. Ce que je cherche, c'est plus qu'un combat. Je veux un vrai défi. C'est le frisson de la chasse. Hé, les gars. On peut discuter deux minutes. Hein? Bien sûr, de quoi? Non, laissez tomber. Allez, crache le morceau. En fait, j'ai envie de partir. Pour de bon. J'espère que tu plaisantes, c'est pas drôle! Ivan! Vraiment? Est-ce que j'ai bien entendu ce que je pense avoir entendu? Dites-moi que c'est une blague! Ça ne peut être que ça! Ce n'en est pas une. Je suis désolé. J'y pense depuis un long moment déjà. Ne me dis pas que tu as déjà pris ta décision. Si. Tu te souviens du projet dont je t'ai parlé? Eh bien, j'ai enfin envie d'aller jusqu'au bout. Tout en finesse! Hyper vitesse! Walt! Champion! Je ne vais pas dans une autre équipe comme l'a fait Free. Je n'ai pas été transféré ni débauché non plus. Qu'est-ce que tu vas faire si tu abandonnes? En fait, mon but est de devenir entraîneur. Entraîneur? Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tu te plaisais ici. Je veux dire, selon Trad, tu as toujours été l'un des bladeurs les plus dévoués de notre deuxième équipe. Nous nous sommes engagés à t'aider à atteindre ton vrai potentiel. Tu serais prêt à laisser tomber tout ça? Ce n'est pas comme si j'allais oublier ce que j'ai appris ici. Je me suis rendu compte que depuis que Walt et Rantaro sont arrivés, je ne me suis pas vraiment amélioré. Oh! Comment tu peux dire ça, Ivan? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que je n'ai pas la même force que vous. Je ne crois pas que ce soit en moi. Vous êtes fort et déterminé. Vous ne laissez jamais vos adversaires vous atteindre. On dirait que vous êtes toujours certain de gagner. J'ai réfléchi, je me suis bien regardé et je ne suis pas comme ça. Bien sûr que si, t'as juste un peu le cafard. T'as ta place ici autant que moi, tu le sais. C'est faux.
Je n'arrête pas de penser à ce qui arriverait si je perdais un jour. Je viens juste de réaliser que je suis bien plus dans l'analyse du combat que dans l'action. Mettre en place des stratégies, c'est plus mon truc. Par exemple, je pense à quel point je me sentirais bien si un coéquipier progressait grâce à mon aide. BCSol subit toutes sortes de changements en ce moment. Ce n'est pas bon d'avoir des gens comme moi dans une équipe, quelqu'un qui a déjà un pied dehors, vous comprenez? Allez, t'es loin d'être un amateur! Je trouve que tu donnes toujours le meilleur de toi-même! Bien sûr, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que donner le meilleur de soi-même, ça ne suffit pas toujours. Je sais même pas quoi dire à ça. Il n'y a rien que tu puisses dire, Valt. Ne rends pas les choses plus difficiles. Essaie de comprendre. Je veux vraiment faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, c'est tout. Ivan... Il a déjà pris sa décision. C'est fini. Je voudrais partir dans le calme et la sérénité. Si c'est vraiment ça que tu veux... Tu vas le laisser partir? C'est pas comme si elle avait le choix, tu sais. Bientôt, vous oublierez tout ça et vous pourrez vous concentrer sur le grand retour de BCSol. Je partirai dans la matinée. 3, 2, 1, hyper vitesse! Vitesse! Je pense qu'il est temps que vous choisissiez où vous installer. Comme je l'ai dit, j'accepterai volontiers toutes vos demandes. Notre équipe peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Non, sans moi, merci. Hein? Attendez! Quel fiasco! Voici la liste des bladers que nous avons sélectionnés pour notre combat contre BC Galeon. Stan Humburg, Valt Aoy et Rantaro Kiyama. Rickson Clay sera notre remplaçant. C'est tout pour le moment. Oh, c'est la première fois qu'il ne trouve pas un vieux dicton bizarre. Vous quatre commencerez un entraînement spécial pour vous préparer à affronter vos adversaires. Le reste de l'équipe devra continuer avec la routine d'entraînement habituelle. Remettez-vous au travail. Allez, allez, ne restez pas là. Alors, ta chance t'a laissé tomber? Qu'est-ce qui te prend de dégoter les meilleures équipes et de refuser toutes les offres qu'on te fait? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je dis juste que dans le pire des cas, on peut toujours te trouver une place dans l'équipe. Ouais, c'est vraiment gentil, mais sans moi, merci. C'est toi qui vois, mais j'ai un petit ragot que tu pourrais trouver intéressant. Hein? J'ai entendu dire qu'il se pourrait bien que Valt ne joue pas du tout contre BC Galeon. Dis-moi que tu plaisantes. Avec tous les changements que subit BCSol en ce moment, on entend beaucoup de choses. Allez, quoi? Tu ne veux pas goûter à mon hyper bouclier éjecteur? Ha! Facile! Boucle cyclone! Je n'arrive pas à le croire. Tu as eu de la chance. Réjouis-toi. Tu ne te sens pas mieux après m'avoir humilié comme ça? À peine. Peut-être que c'est parce que tu sais déjà où tu dois aller pour te sentir mieux. Qu'est-ce que tu entends par là? Pas grand-chose. Je ne sais pas ce que tu veux dire. J'essaie juste de rendre la Ligue européenne plus amusante. Ah! Oh, quelle bonne surprise! Je me souviens que quand tu as repris l'équipe en main, tu venais souvent ici. Tu as l'air affreusement fatiguée ces jours-ci. Vraiment, ça se voit tant que ça? On ne me la fait pas à moi. Je suppose que je comptais trop sur Free. Et je n'ai aucune idée de comment je devrais commencer à réorganiser l'équipe. Ce n'est pas moi qui vais te donner des conseils là-dessus. Arrête, je sais que tu as suivi les hauts et les bas de BCSol depuis le début. C'est vrai, mais tu n'es pas ton grand-père. Tu dois te demander ce que tu veux faire différemment. Si j'essaie de préparer une nouvelle sorte de pain, je ne vais pas suivre la même recette que celle que j'ai utilisée pour l'ancien.
Et je me dis que ce n'est pas grave si les premières pattes ne lèvent pas tout de suite. Non, pas ici. L'échec est inacceptable. Arrête de faire n'importe quoi. C'est toi qui as dit que tu n'allais pas jeter l'éponge. Pas de retour en arrière. Je pense juste que la deuxième équipe aurait de meilleures chances que nous, c'est tout. Arrête ça, tu entends? On est dans la meilleure équipe. Si on n'améliore pas sérieusement notre combat, comment est-ce qu'on est censé pouvoir tout déchirer? Là, il marque un point, Valt. Toute l'équipe compte sur toi, tu sais. Ce sont les lions qui doivent mener la meute nonchalamment, mais sûrement. Attends un peu, c'est bien comme ça qu'on dit, hein? Évidemment! En réalité, ça s'appelle la survie du plus fort. T'es là depuis combien de temps? À l'instant, il y a quelqu'un pour toi, Valt. Oh, salut! Content que tu sois venu, mon pote. T'as l'air beaucoup plus heureux. J'arrive pas à croire que ça fait que 3 jours. Alors, t'as toujours envie de devenir entraîneur? Oui, absolument. Au fait, j'ai entendu dire que vous traversiez une période difficile. Je veux dire, c'est cool que tu penses à ce que peut ressentir la deuxième équipe, mais peut-être que tu as besoin d'une nouvelle perspective. Je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé à faire mon choix. C'est grâce à vous, les gars, que j'ai enfin compris ce que je voulais devenir. Si je fais de mon mieux aujourd'hui, c'est grâce à vous, je vous dois bien ça. Je veux plus que jamais que tu participes au prochain combat. Tu vas devenir plus fort et je vais commencer une formation pour devenir entraîneur. Nous allons avancer côte à côte, mais sur des chemins distincts. En attendant, jette-toi à l'eau. Gagne ce combat et sache que je serai là pour t'encourager. Et ses sols s'étouffent encore et le premier combat est déjà terminé. Un des titans de BC Galéon prend le dessus très rapidement. Je ne m'attendais pas à un chaos explosif dès le début du combat. Alors là, ça ne faisait pas partie du plan. J'espère que je ne leur ai pas trop mis la pression. Ne t'inquiète pas, Valt va s'en sortir. Désolé, les gars. C'est à mon tour maintenant. Ça vous pose un problème? Vas-y, fonce! On dirait que nous avons notre deuxième victoire d'affilée. Jusqu'ici, le combat est déséquilibré. Stan, ça ne te ressemble pas, ça. Ça devient de pire en pire. J'ai vu chacun d'eux faire 1000 fois mieux que ça. Je ne comprends vraiment pas. Oh, tous ces entraînements pour rien. Il est trop tôt pour commencer à tirer des conclusions, Hativ. Nous sommes à l'approche du troisième combat et BC Sol est dos au mur. Vont-ils arriver à briser la malédiction? Je dois gagner au nom de toute l'équipe. Si j'y arrive, ça nous donnera un peu d'élan. 3, 2, 1, hyper vitesse! Incroyable! Xavier s'approprie l'arène en un éclair. Ce nouveau combat est déjà fini. BC Galéon enflamme l'arène aujourd'hui. De leur côté, les BC Sol cumulent une autre défaite à leur parcours. Oh, ça va faire mal. Tout est fini pour nous. Terminé. J'ai fait de mon mieux. C'était brutal. Et c'est nous qu'on appelle la meilleure équipe. Le nuage qui plane sur nous ne fait que s'assombrir. On risque pas d'avoir une bonne note cette fois, hein? Ne dis plus rien, c'est comme ça que ça se passe parfois. Ouais, sauf que j'avais promis que je gagnerais ce match. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux promettre. Il est préférable d'apprendre de ses défaites et de continuer à aller de l'avant. Ouais, je suis d'accord, avancer à reculons, hein? C'est pas drôle. Oh! Silas! Oh! C'était un de vos pires combats. Je sais, j'ai tout gâché. Je vais faire bouger les choses, regardez bien. De quoi tu parles? Tu reviens déjà au bercail? J'avais juste besoin d'air frais. Très bien, je vais prendre ça pour un oui. Allez, on check, coéquipier. Pouf! Oh! 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 Ne nous laissera pas participer au combat. Il pense qu'on essaie de se faire transférer dans une autre équipe. Pas question de rester assis à ne rien faire. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst Evolution, le retour de Doomsizer. 3, 2, 1, hyper vitesse!
N'abandonne pas et crois en toi, car jusqu'au bout nous on se battra. Sois le meilleur, remporte le combat avec Beyblade Burst Evolution. N'abandonne pas.